rue 81, 1751. Monsieur le cardinal Quirini, Berlin. Quoi ? Vous voulez donc que je chante ce temple orné par vos bienfaits, dont aujourd'hui Berlin se vante ? Je vous admire et je me tais. Comment sur les bords de la Sprée, dans cette infidèle contrée, où dehors mon brave les lois, pourrais-je élever une voix à des cardinaux consacrés ? Éloigné des murs de Sion, je gémis un bon catholique. Hélas, mon prince est hérétique et n'a point de dévotion. Je vois avec compunction que dans l'infernal séquelle, il sera près de Cicéron et d'Aristide et de Platon, ou vis-à-vis de Marc Aurèle. On sait que ces esprits fameux sont punis dans la nuit profonde. Il faut qu'ils soient damnés comme eux, puisqu'il vit comme eux dans ce monde. Mais surtout que je suis fâché de le voir toujours entiché de l'énorme et cruel péché que l'on nomme la tolérance. Pour moi, je frémis quand je pense que le musulman, le païen, le quaker et le luthérien, l'enfant de Genève et de Rome, chez lui tout est reçu si bien, pourvu que l'on soit honnête homme. Pour comble de méchanceté, il a su rendre ridicule cette sainte inhumanité, cette haine dont sans scrupule s'arme le dévot entêté et dont se raille l'incrédule. Que ferais-je, grand cardinal, moi chambellan très inutile, un prince endurci dans le mal et proscrit dans notre évangile? Vous dont le front prédestiné à nos yeux doublement éclate, vous dont le chapeau d'écarlate des lauriers du pain détourné, qui, marchant sur les pas d'Horace et sur ceux de Saint-Augustin, suivez le raboteux chemin du paradis et du Parnasse. Convertissez ce rare esprit, c'est à vous d'instruire et de plaire, et la grâce de Jésus-Christ chez vous brille en plus d'un écrit, avec les trois grâces d'Homère.